bien le bonsoir. Bonsoir à tous. Attendez, je vais vous montrer ma petite tête. Hop! Comment allez-vous ce soir sur Ivasound Studio, ici Draken, en compagnie de Jack. Coucou Jack. Oui, mais bien sûr, attends, si je mets pas le son de Discord, ça va pas marcher. Du coup, vas-y, coucou Jack. Salut tout le monde, salut Draken. Nous ne sommes pas en retard, nous sommes à l'heure. C'est vous qui êtes en retard. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur Borderlands GOTY Edition Hands Head. Je me suis entraîné. Je me suis entraîné. Hein. Donc la version remaster de Borderlands, premier du nom. Et je vais vous afficher le jeu tout de suite. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'afficher le Discord lors du dernier du précédent stream. Donc, j'avais pas fait gaffe. Donc oui, en fait c'est tout à l'heure quand j'ai lancé, je fais ah mais c'est pourquoi le Discord il est caché. Ah mais c'est parce que je l'ai pas mis en fait. Et ouais, parce que je crois que j'ai dû l'enlever avec Ando quand on a fait Keep Talking and Nobody Explode. Et du coup, voilà. Du coup, nous vous voilà toujours dans Arid Bad... Enfin, les... C'est où déjà la map ? C'est quoi le nom ? Arid Badlands. Et on était arrêté à la quête où nous devions tuer un certain Bonehead qui Il avait... Peut-être juste... Je viens de voir le retour. Mettre ouais. Baisser le Discord par rapport à la minimap. Ah oui, c'est vrai. Attends, tout que je vais tendu... Je vais te baisser un petit peu. Attends, faut que j'affiche la minimap, sinon ça va pas le faire. Ouais, du coup, je vais le baisser parce qu'il y aura aussi les quêtes. Donc, on va le mettre là. Et normalement, ça devrait être bon si je fais transition. Et voilà. Waouh, la belle transition. Et oui, bien évidemment, salut à toi, Robert. Ah oui, on n'oublie pas Robert. Hein. Robert, n'oublie pas Robert. Retrouvez Robert tous les soirs. En stand-up sur notre chaîne Twitch avec les... cariatre, mais il est pas méchant. Avec ses meilleures blagues. Du coup on y va. Je te suis, par contre je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Donc, je te suis. Eh bien il faut regarder la minimap. Si tu tournes ta souris vers la droite, tu verras que il y a objectif à 79 mètres. Et par contre, en plus, ce qui est encore marrant, c'est que le repère de Bonehead est juste à côté de la ville, ici. D'accord. Le souci, c'est que tu peux escalader les caisses pour te dire je vais gruger, je vais pas faire le tour. Et ben ouais. Que nenni, il y a un mur invisible. Du coup, hop. Et du coup, on fait tout ça de mémoire pour récupérer nos voitures. Les fameuses autoblocks de scooter. Oui, parce qu'en fait, c'est Bonehead. Alors, je sais pas si ça te l'ouvre aussi pour toi ou pas, le menu. Non. Vas-y, bah, tu peux le commencer. En gros, Bonehead, il a piqué un module de numérisation pour les voitures. Scooter, nous ordonne... De récupérer ce... Ah, attention, ouais, donc là oui c'est un genre de mini-boss. Hein. Bonehead, tu le vois, il est là. Donc c'est un sadique, hein. Et un sadique vénère. Tu fais le critique. Tu fais quoi, Jack? Tu tires? Juste ahí. L'ennemi est immobile, Jack. J'ai pas l'impression de faire des dégâts, en fait. Mais t'es où? T'es où? Oh, essaye de tirer, pour voir. Tu fais des dégâts ou pas? Oui, tu fais des dégâts. Aïe. Il s'est régène sa vie? Non, Jake. Au secours, Jake. Pour pareil. Ah, c'est bon. J'ai réussi à me régène. Ah, mais en fait, c'est... Ah non, ça... Ah oui, d'accord, en fait, on a Bonehead plus un ennemi brutal. Tu es brutal. Alors là, par contre, faut que tu me raises. T'es où? Juste à côté. Okay. Alors, faut maintenir appuyé. Ah, faut... D'accord. Oui, faut maintenir appuyé. Oui, non. Ne lâche surtout pas le bouton. Ce soir, la dernière fois. Bon, mais ça va.
Ah ouais. Mais dis donc. Mais dis donc. Mon jeu de trucs qui brille, hein, je ramasse. Ouais. J'ai ramassé, je sais même pas ce que j'ai ramassé en vrai. C'est une arme épique. Ah, merde. C'est une mitraillette. Non mais vas-y, garde-la. Hein. Attends. Vas-y, fais chier. Parce que regarde, là il y a un autre... C'est une mitraillette. Oh, tiens, il y a un ennemi. Il y a un ennemi là, par contre il faut que je prenne de la vie. Donc, où tabulation, et c'est, normalement c'est une mitraillette violette. Elle doit avoir un effet spécifique. Un bon shredder, shriprise, terrible shotgun. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et comment je fais pour te la donner? Non, mais garde-la si tu veux. Bah... Prends-la, mais... De toute façon, regarde, hop, j'ouvre le coffre et regarde, on a plein de sous-sous. Et on a récupéré le numéripod. D'accord. Du coup, oui, après, t'es le... Le sniper, si tu veux, tu peux le changer, hein. T'es pas obligé de prendre le sniper. Hein. Tu... Et du coup, là, on va aller rendre notre numéripod à Scooter. Attends, il y a des caisses là. Oh, ça va, l'argent est partagé. C'est bon. Je vous file. Hop. Et du coup, vas-y, on peut aller rendre la quête. T'es où? Je suis derrière. Ah. Vas-y, tu peux y aller sans moi, t'inquiète pas. Je vais te rejoindre. Alors, bien évidemment, les ennemis, on respawn. Donc, les skag à côté, on respawn. On peut tuer pour faire de l'XP. Ça fait un peu d'XP. Je vais mettre ma tourelle pour me régène, moi. Et puis, c'est parti. Pour recharger tellement souvent. Oui. Ah, c'est Borderlands. Hein. Après, t'as des armes. Alors, je crois que c'est dans le 2 de mémoire. Dans le 2, bah, c'est la classe. C'est un nain. Non, je suis désolé, c'est un nain. Mais c'est la classe des fourrailleurs. Qui est en fait sa compétence spéciale, c'est de prendre deux armes dans ses mains. Et il tire avec les deux. En fait, il prend les deux slots de. Tu vois, les deux premiers slots de son inventaire. Ouais. Et il tire avec. Du coup, le mieux, c'est que tu prends deux mitraillettes. Et en fait, tu peux tirer. Quand tu l'améliores au fur et à mesure, il y a un talent qui te dit à chaque fois que tu touches quelqu'un avec ses armes, tu récupères une balle. Donc en gros, à la fin, tu peux tirer à l'infini. Tu peux la ravaler avec des jolies couleurs. Les skag. Alors, du coup, oui, on va pouvoir récupérer des. Zoto, donc la première auto voiture. Alors, est-ce que tu veux un véhicule avec une mitraillette ou un lance-roquette? Hey, arrange ta bagnole. Une idée. C'est comme tu veux. Comme tu penses que c'est le mieux pour le jeu. Hein. Eh ben, on va prendre deux mitraillettes. Alors après, tu peux prendre. Alors, je sais pas si. Oui, on peut. Alors, tu peux prendre ton véhicule à toi ou on peut prendre le même véhicule chacun. Mais en gros, là, non. Ça, soit tu prends ton véhicule. La mécanique. C'est quoi le mieux? Bah le mieux c'est qu'on prend le même véhicule à deux. Okay. Attends, y'a quelqu'un. T'inquiète. En fait, moi je peux, quand t'es pas là, moi je peux tirer avec la mitraillette. Et du coup, normalement, tu vas sur la voiture, tu appuies sur E. Non, t'es pas obligé de sauter. Hein. Ah, mais la voiture m'éjecte. Ah, d'accord, donc, ok, d'accord, oui. J'avais pas compris. Okay. Voilà, et du coup, normalement, moi je peux plus tirer avec la mitrailleuse là. Ou oh, attends, y'a une quête. Une quête. Tac. Et du coup, après toi, tu peux tirer. Alors, attends, j'arrive. Je vais aller récupérer la quête. Alors ça, c'est le seul véhicule qu'on aura dans le jeu de mémoire. Hop, je prends la quête. Oh, oui, récupérer des trucs. Alors attends, c'est quoi les quêtes qu'on doit faire? Peace World Gash, il faut sauter. Journal caché des Arid Badlands, difficile et. Victime écrasée. Eh ben on va écraser des mecs. Tu les pas, Jack. On va écraser des gars. Voilà. Donc bien sûr, quand tu les écrases. Attends, mais ils sont en bas. Attends, les tubas, il faut que je les écrase. Mais ça compte aussi pour les créatures. Ouais, c'est tous les ennemis en fait. Ah. Bon, faites pas ça, hein, vous perdez votre permis sinon. Oui, bien évidemment. Oh, tiens, je savais même pas que quand on appuie sur espace, montrer les ennemis proches. Du coup. Bien d'amis, les phares. Oui, ça c'est automatique. Alors,
Il y a un gars accroché à la porte. Ouais, mais on peut pas ouvrir la porte. Il faut faire le tour, je crois. Ah oui, ça c'est le boost. Ah oui, regarde. Là-bas. C'est compliqué à conduire. Oh mon dieu. Il y a un succès pour la pente là. Oui. Bah justement, en fait, c'est la mission principale. Ah. En fait, la mission. Oula. Oui. Rappelle-moi de jamais monter au volant avec toi. Ça va, je conduis bien. Et là, du coup, je mets le boost. Parce qu'en fait, ça se conduit, ça peut se conduire en ZQSD, mais ça se conduit également. En fait, c'est... là, je me conduis à la souris, en fait. D'accord. C'est pour ça. Du coup, aïe. Oui, c'est compliqué. Et du coup, là, on va aller tuer le mec. Hop. Plus fort et plus terrible. J'ai un niveau supérieur. Encore deux mecs à exploser. Et. Encore pas. Une personne à écraser, on est bon. Il y en a un derrière. Ouais. Je vais juste. Donc ça c'est un malabar. Ils appellent ça bruiseur mais c'est malabar. Donc là on a fait la quête de écraser des mecs. Est-ce que tu veux conduire? Non. Tu veux pas conduire? Alors attends, on va aller rendre la quête. Parce qu'après il va falloir chercher des journaux mais ça on le fera pas. Ça c'est... Oh le boost. Ouais, le boost il est vénère. Là je peux regarder en arrière, hop, bah, du coup je vais aller rendre la quête, bouge pas. Ou si tu veux venir, ouais. Comment je fais pour sortir? T'appuies sur E. Hein? En fait c'est quand t'es tout seul, t'appuies sur C pour changer de place. Et quand tu es... quand on est à deux dans la voiture, t'appuies sur E. Et du coup... alors attention, si tu te mets devant, tu prends la place conducteur, si tu te mets à l'arrière, tu prends la place... mitraillette. Et du coup, alors... Attends, j'ai une compétence à débloquer. Alors, qu'est-ce que je prends? J'augmente la capacité des chargeurs, de mes chargeurs, ou je, quand je tire sur mes... Quand je tire sur toi, ça te soigne? On a quand même pris pas mal de dégâts, peut-être le soin. Ouais, alors, ensuite, la quête. Il faut trouver des journaux. Les journaux, on fait la quête des journaux ou pas? Ben, s'il faut tout faire, de toute façon... Parce que là, elle est quand même en difficulté rude. Elle est niveau 13. Et l'autre quête, c'est la quête principale, elle est en normal. Et si on fait la normale, après on a quand même accès à la secondaire. Ah oui, on aura toujours accès, oui. Ah ben, go la normale, peut-être pour prendre des niveaux. Ouais. Elle donne pas d'XP, enfin elle donne pas de sous-sous. Attends. Oula. C'est compliqué de faire marche arrière, mais je vais tuer avant. Attention, là je vais prendre le gros tremplin avec le boost. Alors attends, oui d'accord, il faut... Ah oui, c'est parce qu'il fallait qu'on ouvre le portail en fait. Mince. Et alors, et de mémoire, j'ai c'est pour. Y'a pas un TP là? Si, c'est un, y a à côté. C'est pour on une, l'a pas pris là, non? C'est pour, non, c'est pour une prochaine zone. Enfin, on est sauvegardé là. Et du coup, voilà, hop, il faut que j'ouvre le portail comme ça. On n'aura plus besoin de passer. Voilà. Alors, allez voir Dr. Z et dire que l'autolock est réparé. Voilà. Et si vous reveniez par ici? Parce que à la base on devait faire ça pour les aider. Mmh. Bah, et en boost c'est compliqué de ouf. Ah oui, je vois ça. Surtout c'est qu'ils disent ouais faut faire tu peux te déplacer en ZQSD. Bah, tu peux venir. Ils disent tu peux te faire ZQSD mais bon. C'est un peu compliqué en ZQSD. C'est mieux avec la souris. Alors, quelles sont les prochaines quêtes? Récolte de Kistro électrique. Mais c'est en difficulté. Ah oui, n'oublie pas, on peut acheter des... Puissance SIM occupée de l'entretien de ce matériel médical. On peut acheter des nouvelles armes, les boutons. Il a pas mis leur peau, et ils sont effrayants. C'est dur, mais Shep est un brave garçon. Alors, Zed parlait à Shep Shepherd près du carrefour. Vous avez ce que vous voulez. Ah oui, on a un pack d'amélioration. Du coup, en fait, le pack qu'on a récupéré, ça nous a donné un... Ça nous a déverrouillé un équipement, un emplacement d'équipement dans ton inventaire. D'accord. Et du coup, voilà.
Déplacement, un nouvel équipement, du coup ça veut dire que maintenant on peut porter 3 armes au lieu de 2. D'accord, ok. Et en tout on peut en porter 4 des armes. Alors, du coup. Et ben moi je vais prendre le sniper. Voilà. Parce que oui, moi dans l'ordre de mes. Si j'arrive pas à viser aussi. Dans l'ordre de mes armes, je préfère le. C'est toujours soit une mitraillette, soit un flingue au début. Ouais. Le fusil à pompe, le sniper et le lance-roquette. Comme ça. Tu dois le lui reprendre. Juste à faire la molette et puis c'est bon. Du coup, bah, tu me dis quand on y retourne. J'arrive. Vas-y, vas-y. Hop. Alors, quête principale, rude ou difficile. Eh ben, en fait, on peut faire les journaux. Elle est rude, mais je pense que ça passe. Alors, Patricia Tanis, qu'on verra beaucoup dans Borderlands 2 et 3. J'appelle tous ceux qui ont 2 grammes de cervelle. J'ai caché 5 messages, 5 de mes enregistreurs de données dans les arrêts de Badlands. J'aimerais les récupérer. Écoutez votre système écho, les enregistrera. Alors, ok. Ouais, du coup, on va récupérer des enregistreurs. Du coup, il faut qu'on aille tuer. On aille au. On retourne au repère de Bonhead. C'est le premier, il est au repère de Bonhead. Comment on peut aller avec la voiture. Ah, c'est dommage, il n'y a pas plus le. Tard, est-ce qu'on pourra améliorer les véhicules, l'arme du véhicule. Non. Non. Je suis coincé. Non. On l'a dans Borderlands 2. D'accord. Là en fait c'est soit on choisit mitraillette ou lance-roquette en arme et on peut juste changer la couleur. On est arrivé. Tu viens? Mais dans Borderlands 2 en gros on pourra changer juste l'arme et après on débloquera un autre véhicule où on peut être 4 dedans. Et c'est le même principe. Tu peux changer soit. Alors c'est soit un lanceur de tonneaux explosifs, soit ce sera un lanceur de scie roulante. Enfin, scie tournante, pardon. Alors. Du coup... Ah c'est des. C'est les trucs verts qu'on disait là. Je sais pas si tu te souviens dans l'ancien épisode. Patricia Tanis, conseillère scientifique pour Dal. Voilà. Premier jour sur la planète Pandore. Les supérieurs m'ont affecté ici pour rechercher des technologies non humaines. Cette mission fait suite à la découverte par la société Atlas de technologies d'une civilisation extraterrestre disparue dans des ruines sur Prométhée. Une découverte sur laquelle Atlas a bâti sa suprématie actuelle. Les chances de succès sur Pandore sont extrêmement faibles, mais quelqu'un les a estimées suffisantes pour m'y envoyer gâcher mon talent. Ça ne fait que 3 heures que je suis là, mais je sens que cette planète sera ma mort. Les scientifiques ne courent pas après les mythes et les légendes. Oh, du stuff. Alors, nul et nul. Super, je m'y attendais pas. Donc vas-y, tu peux les prendre si tu veux. 43e jour sur Pandore. Non. Enfin, je crois que c'est le 43e que je passe. Alors là, du coup, il faut qu'on aille... La planète tourne sur elle-même en 90 heures. Les gens du peuple de ce rocher sont les plus ignorants que j'ai jamais vus. Il faut qu'on y parle. Lorsque je pose des questions sérieuses au sujet de l'Arche, on me répond avec des contes pour enfants où on me parle de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Mes questions les plongent dans un état de stupeur qu'on pourrait prendre pour de l'ivresse. Ben là, il nous faut la voiture. Dans neurologique. Non, et il faut la voiture en tout cas inconscient de ma présence. Si je croyais en l'enfer, je l'imaginerais bâti sur le modèle de Pandore. Mais une telle pensée me rabaisserait au niveau de ces hommes de Cro-Magnon. Oui, parce que pour Patricia Tanis, tout le monde est débile. Parce que c'est une génie en fait. Ouais, donc il nous faut la voiture. Il nous faut faire... faut que je remonte. Et il faut qu'on aille chercher la voiture. Attends, on peut pas remonter. Tu vas. Bah, j'essaie de remonter, en fait. Mais c'est une côte trop pointue. Ah, là, c'est bon. Il y a le... Elle est là. Quoi, c'est bon, on va chercher la voiture. Il faut que j'arrête de sauter, ça sert à rien, ça. Ouais, on a une arme ici. Un flingue qui fait 8 de dégâts, c'est rien du tout. Alors,
L'autolock, il est là-bas. En fait, c'est pas juste un truc post-apo, c'est... on est aussi dans un domaine de la science-fiction, là. Ah oui, c'est carrément science-fiction, alien, planète, parce que là, en gros, on est sur une planète, ça, c'est... Genre, il y a des voyages de planètes, etc. Oui, c'est vraiment... Ah, on verra d'autres planètes ? Non, tu verras que Pandore. Les autres planètes, on les verra qu'à partir de Borderlands 3. D'accord. Mais sauf si on considère que la lune de Pandore est une planète, alors dans Borderlands Pre-Sequel, on verra, on ira sur la lune là-bas. Tu vois l'énorme lune qui est là-bas. Ah oui, en effet, ouais, j'avais pas levé la tête encore. Et ben en fait, on va aller dedans. Et okay. J'ai bloqué la voiture. Et j'ai bloqué la voiture. Donc on peut descendre. Faut pousser ? Non, ça passera pas. Alors, soit on va là-bas. Alors, c'est soit on repart remettre la voiture, soit on continue à pied par là-bas. Ah, ouais, oui, ah oui, d'accord. Ah oui, mais. Oui, j'ai fait passer par-dessus. Ouais, c'est pas grave, c'est mieux. Bah, pas grave, on va continuer à pied. Mais du coup, ouais, l'énorme lune qui est là. Normalement, dans la chronologie de Borderlands. Donc après Borderlands 1, c'est Borderlands Pre-Sequel, et dans Borderlands Pre-Sequel, en fait, on va sur la lune là-bas. Nous sommes un chasseur de l'arche, enfin un ou une, on va sur la lune pour sauver les habitants de Elpis. Parce que la lune s'appelle Elpis. Voilà. C'était le moment lore. Ah, c'est important. Ah bah franchement l'histoire de Borderlands, elle est franchement elle est. On sait, c'est pas que des abrutis. C'est pas que des. Pas de véhicule. C'est pas que des abrutis qui font qui disent des gros mots. T'as vraiment une vraie histoire derrière. Avec un genre comme là des entreprises qui se battent entre elles pour avoir le monopole. Des trucs comme ça, enfin. C'est vraiment pas mal. Et du coup, là, je t'ai changé d'arme. En effet. Alors, donc, oui, les tonneaux bleus, tu peux les casser. C'est des tonneaux de feu. Les tonneaux verts, c'est des tonneaux d'acide. Et les tonneaux bleus, ce sont des tonneaux électriques qui font des dégâts au bouclier. Retraite. Aïe. Alors, si. Bouge pas. C'est des tonneaux. Oh non! Ah wesh. Il faut tuer quelqu'un. Tu l'as tué? Oh oui. Oui, ah la vache, je sais pas comment t'as fait, mais... Ne me demande pas, je sais pas. Ah, c'est bon, j'ai récupéré de la vie. Je sais pas comment j'ai fait. Ah oui, les skags ils font mal, hein. Ouais. Un deuxième corrosif, hein. Ça va. De la vie. Alors, l'eau pépère. Hop, headshot. La vache, le feeling des armes est pas du tout le même que dans les autres. La vache, on voit que c'est bien, c'est une promo. J'ai plus de chargeur, la vache. Belle. Ouais, laisse les skags, Jack. Parce que regarde, il y a beaucoup de gens quand même. On va tuer les bandits. Et du coup, il faut. Oui, on peut ouvrir la porte. Et il faut récupérer le journal. Il est où le journal? Il est.
au-dessus. Donc il faut qu'on monte. Comment on monte? Dissous. On va ouvrir toutes les caisses. Hein. Voilà. Et après on va faire. On va tuer les skags. Tuer les skags d'abord. Je mets ma tourelle, hein, comme ça on va se régénérer. Ça, ça pique. Il faut aller là-haut. Alors on monte par où? Ah bah par ici. Non. Si. Oh, ici, ici. Là. On fait les parcours. Oh, oh, regarde ce qu'il y a, Jack. Sais pas. Regarde, regarde ce qu'on a devant là. Là, c'est quoi ça? Regarde la caisse rouge là. T'arrives à monter? J'essaye. C'est bon, je suis là. Voilà, regarde la bonne caisse rouge. On va avoir des bons guns. Il n'y a qu'une seule arme. Est-ce que je peux le prendre? Vas-y. Merci. Et du coup, là, on doit aller. On doit retourner en arrière pour retrouver le journal. Là. Pas pleurer. Pour être parfaitement. Faut aller tout là-bas. Oh, je suis tout sur le chemin à pied. Sa chaise est plus confortable que la mienne. Je l'ai prise d'ailleurs. Et c'est là que j'ai remarqué une lueur étrange sur les rochers du site de fouille. Oui, c'est ce qui est marrant aussi avec moi, ce qui est marrant avec le personnage de Patricia Tanis, c'est que c'est une tarée. Mais tu vois qu'en fait elle est restée seule suite à des attaques de pillards, de skag et tout. Et du coup en fait elle est devenue folle à cause de ça. Pas la peine de passer chez le docteur. D'accord. Genre je crois que dans le 2, genre son meilleur ami c'est un porte-manteau ou un truc comme ça. Enfin, elle est folle, hein. Elle est complètement folle, mais tu vois que c'est. Enfin, comme le jeu Borderlands, c'est pas qu'un jeu de bourrin, t'as quand même de la psychologie derrière. Ouais. Le plus touchant, c'est... c'est dans le 2. C'est le personnage, je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est Tiny Tina. En gros, c'est une petite fille qui a été recrutée par Roland, donc le personnage que je joue là actuellement. Et en fait, c'est ses parents... ont été vendus par un méchant en fait elle est devenue un peu folle et ce qui l'a sauvée c'est une grenade et en fait avec ça à cause de ça elle est devenue experte en démolition, elle adore quand ça explose etc. Et il y a un passage oula, où j'ai vendu une arme qu'il fallait pas. Hop, il y a un passage qui est triste, c'est quand tu vas un moment dans un centre de détention et tu retrouves les échos, en fait les enregistrements de ses parents. Et de elle, où tu vois que les parents en fait sont envoyés comme rat de laboratoire et qu'à la fin elle arrive à s'échapper, mais pas les parents. Ça fait un peu triste. Elle n'a pas eu une sorte de DLC ou de jeu à part, si, Tales of. C'est ça. En fait, ça a été un DLC qui était un peu type. Enfin, c'était tiré de Donjons et Dragons. Et c'était Donjons et Brutas, le jeu. Et du coup, là, ils vont sortir un jeu, alors je crois qu'il est déjà sorti, je sais pas, qui s'appelle Tiny Tina, le merveilleux pays de Tiny Tina. Ça reprend le meilleur DLC de Borderlands 2. Et c'est elle qui joue en fait la narratrice de l'histoire dans un monde un peu vraiment, là c'est vraiment RPG médiéval fantasy bien bourrin. Alors les journaux audio c'est pas là, non, si c'est là, hop. Mais si c'était à côté, je te laisse le récupérer. Il faut monter. Mais ouais, justement, le dernier jeu de Gearbox, c'est sur Tiny Tina. Parce que c'est un des meilleurs persos de la franchise. Enfin, un des persos les plus appréciés de la commune, en fait.
Ouais, c'est ça. J'ai été à pleurer dans ma douche pendant presque une heure. Voilà. C'est peut-être lié au fait que nous n'avons pas d'eau depuis des jours et des jours. Mon hygiène personnelle est déplorable, à l'image de celle de mes collaborateurs sur le site de fouille. Alors là... En interprétant les symboles et la façon dont les lueurs apparaissent, nous avons établi avec un haut degré de probabilité une civilisation extraterrestre a bien vécu sur Pandore. Mais la fête n'a pas été grandiose, puisqu'il ne me reste que deux collègues, et que je n'apprécie guère jamais une fille obèse. J'ai appris que la recherche scientifique exigeait de l'abnégation, mais je ne le comprends vraiment que maintenant. Alors là, on a 2-3 quêtes qui sont à peu près côte à côte. Donc du coup, bah, on peut aller les faire. Pas timide. L'autoloc, location d'auto, quoi. Arrange la bagnole. Alors je vais laisser la mitrailleuse parce que tu faisais plus de dégâts avec la mitrailleuse. Et du coup, là, on va devoir tuer des racks. C'est les racks. Non, c'est pas ça. C'est les rats. C'est les rats, nous sommes là pour ça. Et... Ah, c'est les dragons chauves-souris, là. Ouais. Oui. Et ça, en fait, tu vas voir ce que c'est, ça. Figure-toi que dans le monde de Borderlands, il existe Rackman. Qui est, bien sûr, une parodie de Batman. D'accord. Et là, alors, regarde. Tu vois ça, là, ça. Ça. Le gros truc par terre là ? Ouais. Ouais. Et ben, ça s'appelle une rack hive. Une ? Rack hive. Une ruche un de rack. Et c'est un monstre. Ah. Genre, ça c'est pas juste un tas. C'est vraiment un monstre. Un genre de gros. D'énormes skag en fait. Oh punaise, d'accord. Alors, c'est quand même assez bourrin. Alors, la prochaine quête, c'est lâcher les vents. On va devoir aller activer les éoliennes. Enfin, retirer les éoliennes. Non, on retire les freins aux éoliennes pour qu'elles puissent tourner. Ah oui. J'ai encore bloqué la voiture. J'ai encore bloqué la voiture. Allez ! Non, bon, pas tant pis. Je pensais que ça passait. Oula. Ça va, t'arrives à sortir. Alors, on retire ah, les... Ah, ça fait pas comme dans... D'accord. Notre physique n'a pas un impact sur les véhicules. Non. C'est... dans le 2, en fait, quand ils sont retournés, dans le 1 aussi, tu peux les retourner, et qu'en fait, quand ils sont retournés, tu appuies sur eux et ça le retourne automatiquement. Ça le remet sur les roues. Ouais, du coup, on va enlever les freins des éoliennes. Hop, et le dernier... Si t'arrives au moment... Alors après, j'ai pas lu la quête, hein. Je sais même pas pourquoi on fait ça. Elle puisse tourner. Ouais, mais pourquoi, je sais pas. Franchement... Franchement, là, j'appuie sur... j'ai fait suivant. Donc ça, c'est fait, on va pouvoir la rendre. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas la quête principale? Il y a la quête principale. Donc il faut qu'on récupère les clés de la mine. Je ne sais pas pourquoi, mais on a besoin de clés de la mine. Sauf que regarde, les clés... Regarde le petit beau message. J'arrive pas à voir. Ah oui, donc en gros, il y est marqué « Now you can not get in the mine because I have the key. Cœur Sledge. » En fait, le mec a volé la clé de la mine, parce qu'on comme ça, on peut pas aller le tuer. Hein. Ah bah, on est... Voilà, on a déjà fait la mission suivante parce qu'on était déjà allé à l'endroit. Du coup, normalement t'as gagné un niveau. N'oublie pas de prendre. Ah oui, alors attends, comment on fait ça déjà? Tabulation. Voilà. Tabulation. J'ai 3 points à mettre. 3 points? Ah oui, quand même! Allez. Et on va chez moi, pas pendant ce temps-là, je vais avancer pour aller chercher le dernier journal. Normalement, il est par là. Pas de bêtises, ouais. On va devoir y aller à pied. Oh, je me suis coincé le dos ce matin. Ah, je viens de tourner la tête. Aborte mission. Gaffe au dos, c'est important. Ah ouais, mais le pire, c'est que tu veux rigoler parce que tu veux savoir comment je me suis coincé le dos.
Ah vas-y. En sortant de ma douche. Ah merde. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai ouvert la porte de ma douche, je me suis coincé le dos, et depuis j'ai mal. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas comment j'ai fait ça. Bon, en espérant que tu sois pas réellement coincé quelque chose. Non, 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 c'est... Là ça va, c'est... Je peux quand même un peu bouger ma tête, mais c'est que j'ai... Comment ça fait un peu mal, c'est... Beaucoup moins qu'hier déjà, parce que hier, franchement, je tournais la tête, c'était mort. Du coup, normalement, est-ce que si je prends le heal, ça te heal aussi? Ah ouais. Ça te heal, ça te heal aussi. Ok. Alors, on va trouver le dernier journal audio. Il est où, je vois pas. Il est caché. Alors. Ah bah, il est là, la mine. Non. Ah, hop. Lost Cave. Ouais, c'est la mine, ce sera pour après. Là, Gal. Tu veux pas conduire? Hey, allez, vas-y. Y aller. Hop, fais un pas. Allez, vas-y, Jake. Je te laisse conduire. Alors, faut aller où? Alors, il faut aller là-bas. Où il y a le 146. C'est ZQSD ou à la souris? Z voilà. Pour avancer et après tu diriges à la souris. Oh d'accord, ouais, bon, on va rester sur ZQSD. Attention, il y a des ennemis. Ça va, il n'y a pas que moi qui se prend des murs. Oula oula oula, attends. Ouais, oui. recule. Papa. Pourquoi tu peux pas? Si. Tu fais S. Oui, j'essaye. Ah mais t'es bloqué. Bon bah fuis, sors. Je mets la tourelle, parce que là en fait t'as attaqué un... Enfin, il y avait un ennemi sadique. Oula. Ça sent mauvais. Alors si t'arrives à tuer des racks, il faudrait tuer un rack. J'arrive. Alors là, l'astuce c'est... Ne bouge pas. Non, t'es mort, mince. Oui. Ah, fallait me le dire, je serais venu. Ah non. T'as perdu de l'argent, normalement. 1374. Mince. Ah oui. Non, je vais mourir aussi. Non, j'ai le pare-charge bizarre. Oh, je suis bête. Bah du coup, vas-y, on retourne à pied, hein. T'as perdu 1400? Ouais, quasiment. Ouais. Mais t'es pété de thunes? Parce que moi j'ai perdu que 303. Je sais pas. T'as beaucoup de sous sur toi, Jack. C'est les sous à moi, c'est pas les sous partagés? Alors, les sous qu'on récupère, c'est partagé, mais sinon c'était sous à toi. Ah, j'ai dit 8000. Ah! T'étais en train d'épargner, c'est ça? Que, attention, non, j'achète pas beaucoup parce que je sais pas trop quoi acheter. Bah franchement, achète tout ce que tu veux. Hein. Si, tant que ça améliore genre les boucliers ou autre, tu peux les acheter. Hein. Donc cette quête-là, on l'a fait. Tu devrais reculer. Oui, j'ai vu. Normalement, tu vas pas taper, tu vas pas tirer dedans. Ah, ça aussi. Là, c'est un bouclier électrique. Donc Sledge House. Du coup, on peut aller à la mine. Dans la voiture à départ. Ouais, bah oui, la voiture a explosé. Ah! La voiture a explosé, puisque. En fait, ils ont tiré dedans et au fur et à mesure. Après, en fait, elle explose. Et quand elle explose, elle fait énormément de dégâts, en fait. Mais en fait, c'est vrai qu'on a nos grenades. Oula, t'es level 17, ça pique. Aïe, Jake, fuis. Essaye de me sauver, mais non. Enfin, non. Laisse-moi mourir. Le level 17, ça fait mal. Fuis. Je vais mourir. Je vois que t'as plus beaucoup de vie non plus. Après, normalement, la vie, elle se régénère au fur et à mesure. Alors, attends, du coup...
Alors si je fais ça... Ah non, je peux pas. Je peux pas venir te sauver, t'aurais dû partir. Ici, c'est l'autologue. Bah du coup, j'attends que tu respawn. Comme ça, on peut passer à l'autre... La quête. Tu viendras sa vie, lui aussi. Oui, oui, oui. Maintiens eux. Tu vas mourir tout de suite. Ah. Et du coup, on va dans la cave. Ici, quoi derrière. On va dans la... Parce qu'on a une quête. Il faut récupérer des cristaux électriques. Ah, on va sur autre chose, ok. Ouais. Ouais, là, on va changer de zone. Parce qu'on doit récupérer des cristaux électriques. Alors, si jamais, n'hésite pas à acheter des munitions ou des modes de grenade. Hein, c'est le mieux. Et vendre également les armes que tu as récupérées si elles ne sont pas utiles. Et des shields. Ah, bah tiens, tu peux t'acheter. Si t'as 19 000, tu peux t'acheter un shield. Ouais, il y a un shield en promo à 19 000. Non, pas. Ouais. Non, bah non. Et là, je suis à quasiment 10. Alors, attends, parce qu'ils sont level 15, donc je pense qu'on va pas. Ça va être chaud de tuer. Score, Jake. Alors, ça donne pas mal d'XP. Si t'as des grenades, n'hésite pas. Non, justement. N'oublie pas de lancer ta compétence. On fuit. Dès que t'es soulevé, on se barre. Hein. Allez, on se barre. Ils sont trop chauds. Tiens, t'en mets pas. On va aller rendre les quêtes, je pense, parce que là, on est trop bas level. Tant pis. Ça charge. Oh là là. Bah du coup, il faut qu'on récupère. C'est ici l'autologue pour louer des autos. Tu peux la ravaler avec des jolies couleurs. Hey, arrange ta bagnole. Hop, c'est je conducteur. Tu me dis dès que t'es là. Allez. Alors, normalement, je sais plus c'est quoi la touche. Non, ça c'est pour le chat. Attends, là, les quêtes, on les rend. Au panneau des primes. Bien sûr, les ennemis ont respawn. Tac. C'est par là-bas. Ça met les phares automatiquement. Normalement, je sais pas si la touche elle est là. C'est... Il y a une touche pour faire le klaxon. Hop, allez, deux quêtes de rendu. N'hésite pas à acheter de la vie. Comme ça, c'est good. Journaux cachés, on peut aller les rendre. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un bouclier et c'est tout. Et ben, je pense qu'on va aller rendre la quête des journaux. Y a pas une prochaine quête? Récolte de cristaux, mais c'est trop haut. Voilà, il faut qu'on augmente de level. C'est regarder les touches. Le klaxon. C'est que klaxonner. Or. On peut pas spammer. Allez, c'est la guerre, mon dieu. Et du coup, on va aller rendre la quête, et puis il y en aura d'autres. Et j'espère qu'elles seront pas assez compliquées, parce que sinon ça va être chaud. Ouais, non, c'est vrai. Hop. On peut descendre. Ouais, n'oublie pas également... utiliser ta compétence hein, le plus souvent possible. Mmh. Les trois derrière tombaient de pas. Alors. Oui, ah oui quand même, oui, il y en a pas mal. Alors. Et en plus il y en a une qui donne des armes. Qui donne un petit sniper. Et ben c'est parti. Arrond Hill, c'est où ça? C'est par là. Et ben on va. Cercle de la mort, le lever de rideau. Ah, c'est. Oui, c'était l'endroit. Ah!
Je sais pas si c'est l'endroit où ça nous avait fait bugger la dernière fois, je crois. Laissez tranquille, vous deux. Lâche le rechargement d'armes, il est long. Allez. Raid Zebin. Ou Zebin. Super vitesse. Ça ne fait même pas de bruit. C'est n'importe quoi, ça fait même pas de bruit quand tu te prends un panneau. Du coup, là il faut aller à droite. Toujours là, Jake? Oui, oui, je tire. Oui, c'est un. Oui, Skagalfor. Ouais. Oui, Skagalfor. Ah, t'as eu un succès normalement. T'as pas eu de succès? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Ah, c'est peut-être parce que c'est moi qui les tue en fait quand tu. J'ai un succès. Je pense que c'est quand je les écrase. Attends, je vais regarder. C'est quoi le nom du succès? Un peu de sang sur les pneus, écraser 25 ennemis avec un véhicule. Donc ouais, il faudrait que tu conduises au bout d'un moment. Soit tu auras les succès. Bah vas-y, on peut sortir et puis on va aller voir. On va aller dans l'arène de Raid Zaben. Alors il y a des armes. C'est utile parce qu'on en aura besoin, je pense. Alors, est-ce que j'ai des. Oh! Fusil à pompe. Là où on a déjà été? On n'a pas encore été ici. D'accord. Alors, par contre, toi, je vais te prendre le petit flingue. 3. Toi, le sniper, je t'achète. Et est-ce que le. Allez, il faut le level 15. Alors. Bon, ça, je vais le garder. Bouclier, il ne sert à rien. L'arme, c'est 43, mais. Lui, j'ai 48. Il ne sert à rien, en fait. Hop, lui, je le garde. Et lui, sur le FPS. Bah là c'est bon, moi j'ai mon stuff qui va arriver. Ah non, il faut être level... Non, t'es sérieux? Il faut être level 13 pour les 3 armes. Bon bah tant pis. Voilà. Du coup... Fais-moi passer le level 13. Non, t'es sérieux? Il me manque 300 d'XP. Ah oui, ça c'est... oui, ça c'est un truc d'arène. En fait, on va devoir survivre. Et des ennemis ou un boss? Des ennemis. Ils vont, c'est des vagues en fait. Il faut, ils vont être plus puissants au fur et à mesure. N'hésite pas à mettre ta compétence. J'adore. Aïe, et balancer tes grenades si t'en as. C'est comme si on était toute l'équipe. Ah oui, je suis passé level 13. Si tu arrives à me couvrir. Voilà, c'est bon. Alors, si possible, il faut viser la tête. La vache. Ça fait du bien d'avoir une arme qui fait des dégâts. Donc voilà, on a fait le premier round et je crois que t'as dû gagner un niveau, non? Non, moi je suis 12 ennemis. Hein? Attends, viens vers moi. Voilà. C'est vrai que j'ai la compétence que si je te tire dessus, je peux te heal. J'avais zappé. Donc là. On peut sortir? Ouais, on peut sortir. On a vaincu. Ça nous donne un bouclier, pas ouf. Là, ça peut nous donner un mode de grenade. Ah mais c'est le même principe que les arènes d'en haut avec le gobelin là. Les arènes d'en haut avec le gobelin. D'en haut, ouais, il y a une arène à Burning Crusade, à TLK. Ah à oui, ouais, c'est ça. C'est pas leur jour.
Il s'enduit, Jake. J'essaie de te... Ça fait du bien. Ils sont en train de te taper alors que... Appuie ton... sur ton F1, n'oublie pas. Il est plus là, le F. C'est bon. Alors, le pire, c'est que je peux te... Non, on a perdu. On a perdu. Tant pis, bon bah c'est pas grave, ils sont trop compliqués. Donc là on a... Ouais bah ouais, c'est compliqué hein. Après on a... je suis con, j'ai pas pris mes grenades. Là c'est bon, j'ai des grenades. On peut y retourner. Hop. Alors je pense qu'on va rester là. Et je pense qu'on va pas faire la vague suivante parce qu'on est passé au level. Reste là. Je sais, mais il me fait sauter partout. Wesh. Il y en a pas un petit là sur moi. Ouais. Ah mais ouais, mais c'est chiant, c'est que ma tourelle ne... Ah, ma tourelle elle dépop. Ah bah... Comme t'es... Ah oui, comme t'es mort, je suis mort aussi. Bah non, 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 non. tant pis. Je vais reprendre de la vie. Hop, et puis ça. Tant pis, tant pis. On va faire d'autres quêtes. Hein. Tiens. Est-ce qu'on a d'autres quêtes plus faciles à récupérer un sniper? Donc il faut aller dans une autre zone. Bah, c'est parti. Après il y a aussi le système de maîtrise des armes qui est un peu embêtante. Alors c'est où qu'il faut aller? C'est pas là. Hop. Alors. Du coup, on va encore découvrir une nouvelle zone. C'est ici que les bagnoles vivent. Chope en une. Arid Hill. T'as voulu me tirer dessus. Tu vas être content, tu vas devoir faire un Alt F4. Sérieux? Bah oui, puisque je viens de crash. Oh punaise. C'est assez embêtant. Ouais, il y a du délai sur le stream. Je viens à peine de prendre la zone. Donc ne vous inquiétez pas, hein, messieurs dames du stream. Ça dépend des gens. Enfin si sur OBS, tu vois qu'il y a du délai, c'est pas normal. Mais si sur pas sur OBS, sur Twitch. Du coup, je relance le jeu. Non, ça m'a ramené au menu principal. Ah, ça va. Bon, ça va. Ça va, ça va. Attends, je t'en relance. Ah, mais je fais face. Franchement, j'avais vu sur Steam que sur cette version, les gens ils disaient ouais, il y a pas mal de bugs et tout. Mais je me demande comment ils arrivent à faire bugger ça en fait. C'est juste un portage avec des graphismes en plus. Bon, alors est-ce que je suis toujours sur Arid Badland? Non, bien évidemment. Je suis retourné. On est retourné à la ville de début. Vache. Bon, du coup, tu peux venir. J'arrive. Tac. Et bien, du coup, je vais prendre de l'avance. Comme ça, tu vas être TP avec moi.
Claptrap qui fait du box comme toujours. Scooter, dis, hey, on est mieux 4 roues que 0 roues. Alors, on va autoriser. Évidemment, tous les ennemis respawn. Bon, alors, hop. T'es déjà loin ou t'es toujours dans la ville là? Je suis au TP. Alors attends. Vas-y, tu me dis quand je peux TP. Il faut aller où? Bah, c'est dans une autre zone donc du coup là, hop. C'est Tartarus, T-Bone, Underdome ou Jacob? C'est parce que t'es dans un menu? Non, c'est, non, ça, non, ça c'est les DLC, c'est pas là. Hein? Faut que tu quittes le menu? Bah là, je suis dans la ville de départ. Ouais, hop. Tu vas être TP avec moi. J'espère qu'il va pas crash. Non, j'arrive. Voilà, c'est bon. Instantané. C'est quoi la nouvelle capsule? Attends, je suis encore en chargement. Ouais, non, je regarde. Nouvelle capsule, rend rapidement 42 santé. Et l'autre, c'est rend 100 santé. Je suis là. Donc là, on va devoir. On a. Alors attends. Que je regarde. Les missions. Ici, on a deux missions. On doit tuer Mo et Marley. Ils sont des skags. La mission est rude, level 15. Ou sinon, on doit récupérer des équipements de sniper pour qu'on nous fasse un sniper. Ah, je te suis de toute façon. Donc, bah, c'est parti. Hop. C'est comme si on était toute une équipe. Ah. Il va mourir lui ou pas? Tu peux tuer le Skag Alpha? Je peux pas tirer. Hein? Attends. Ah mais d'accord, mais... Arrête! Ah pardon. Voilà! Merci. À chaque fois que tu... À chaque fois où je te voulais tirer, tu bougeais! J'ai plus que 7 balles dans mon flingue. Ah oui, de la santé. On va faire les poubelles. Il faut des munitions. Yes. Hop. Poubelle là. Poubelle. Hop. Bah du coup c'est parti, on continue. On a failli quand même mourir sur les premiers ennemis. Hein. Attention. Hop. Ah mais, la vache. La précision de l'arme, c'est vrai. Bah c'est parti. Ah, les skagenés là, ils sont bien dans les bras. Hein. J'adore ça. Oulala. J'aime pas ce qu'il y a à droite là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un skag incendiaire brutal. Un balrog. N'oublie pas Sanguine. Hein. Tu veux Sanguine, balance Sanguine.
Oh, oh là, oh là, ça balançait un bon petit gun là. Fusil à pompe électrique. Attends, bah. Non ? Ah si, bah oui, non, il y a deux. Ah oui, il y a deux fusils à pompe. T'en as un électrique, un au feu. Ouais, mais ils font moins de dégâts que ce que je fais, moi. Précision 47. Moi, précision, on fait combien ? Ah bah, tu l'as. Ah bah non, mmh. Je l'ai. Bah attends, je l'ai déjà, cette arme. Ah oui. 29, 4 précision. Ah oui, bah oui. Bah. Tu veux laquelle ? L'arme. Moi, aucune. Aucune ? Bah, je vais prendre celle-là. Vous avez trouvé une arme électrique, elle pénètre la plupart des boucliers et possède une certaine probabilité de trouver sa cible. Il y a quelqu'un là-haut. Un gentil ou un méchant ? Non, c'est un méchant, c'est un méchant, il roule. Dans le mille. Headshot. Il y en a sur la droite. Cible touchée. Ah mais mon bouclier, il n'y a rien en fait. Que comme des coups. Il fait zéro dégâts en fait. C'est pas leur jour. Il fait zéro dégâts mon arme. Il faut tuer celui là-bas en sniper. Il va tirer dessus. Ah, précision de bras. Voilà, c'est bon. Bah en fait, ouais, le fusil à pompe, il est pourri. Hop. Oui, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça fait que dalle. Ah oui, c'est vrai, c'est que 6% que je te fais. Hop. Et du coup on continue. Hein. Recherche tes armes si tu peux. Ça c'est fait. Il y a un abo là-bas. Je vise comme un mauvais garçon. Un coup dans le mille. Et il y en a encore un. Niveau supérieur. Attention. On va lui apprendre la vie. En plein dans. Ah tiens, un mode de grenade, alors si tu le veux. Ça c'est des grenades qui rebondissent. Réserve de munitions à zéro. Hop. Les grenades que t'as pris, c'est des grenades quand tu. C'est des grenades caoutchouc quand tu. Quand tu les lances, en fait, elles vont rebondir. D'accord. J'ai plus de munitions de flingue. Du coup, vas-y, on va aller chercher le truc. Oh, des racks. Alors, les racks, la meilleure façon, c'est d'attendre qu'ils nous foncent dessus et de les bourriner. Un de plus! Tu fais quoi? Je me bats. Mais... Dis le mot. Il me reste 11 PV. T'aurais dû me le dire que si tu te battais contre quelqu'un derrière. Oh mince, je crois que je t'ai fait un truc.
Non, j'ai toujours... Ah si, j'ai 12 balles dans mon flingue. Là, il y a des skags, on va pas les embêter. On va aller récupérer la première... première pièce de notre arme. Parce que là, en fait, il faut qu'on monte de niveau, parce que sinon... on va prendre trop cher. Alors... tire dans l'électrique, comme ça lui tombe... Hop... Alors, est-ce que quand je tue des mecs, tu gagnes de l'XP? Cible touchée. Est-ce que t'as gagné combien d'XP, là? Bah là, je crois qu'on a tiré tous les deux. Ah. Ah, attention. Là, quand tu t'arrives ici, c'est qu'il y a... du monde. Ouais, je gagne de l'XP. Tu gagnes de l'XP aussi. Headshot. La pièce, elle est... Alors... Ah. Cible touchée. Elle est là-bas. Faire tout le tour. On descend. On va voir ailleurs. Elle va servir à quelque chose. Allez, on se dégage, ça ne va pas. Il ne reste plus de chargeur plein. T'es où? Derrière. Ouais. Alors, là, on a trouvé un canon. Oula, brutal sadique. Non, 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 le fais pas encore à corps, le brutal. Un autre qui mord la poussière. Il est où celui qui nous tire? Il est là. Voilà. Alors, bien évidemment, notre inventaire, il est pas. Ici. On doit chercher les pièces? Ouais, sérieusement. Alors, là, il y a une pièce. Ensuite. Là, il faut chercher, en fait. Il faut aller dans cette zone et trouver les pièces vertes. Alors, il n'y en a pas là. Là, il nous reste la crosse. Et il nous faut la culasse. Alors, est-ce que... C'est par là, ça m'étonnerait. Là, c'est pour changer de zone. C'est la zone d'après qu'on va devoir aller. C'est la zone d'après. C'est pour la quête principale, mais on ira après, je pense. Il faut quoi? Non, non! Ah oui, oula, j'ai peur. J'ai ouvert un coffre, oula. Une munition. Ah. Ça va, c'est pas les armes. Non, non. Bah du coup, il faut qu'on cherche les équipements restants. Il faut faire tout le tour. Il y a un grand coffre rouge ici. Ah bah vas-y, prends-le, t'embête pas. Hop. C'est direct. Et un combat rifle. C'est quoi? C'est une mitraillette? C'est... Ça ressemble à quoi? Ça doit être une grosse mitraillette, ouais. Ah bon, non, mais si tu... ou un fusil, peut-être. Si tu veux le prendre, prends-le, ouais. Non. Enfin, bah, si tu le prends, c'est pour le vendre. Bah oui, vas-y. Et il fait combien de dégâts? Dégâts 32, précision 85, ouais. Cadence 10. Tu peux le vendre, t'embête pas. T'embête pas. Alors, il ne reste plus qu'un seul truc à trouver... et je sais pas où il est. Non. Est-ce que c'est là au-dessus? Non. Là, il y a un flingue. Peut-être par là, je pense. Est-ce que là non c'est fermé? Là il y a une arme à mes pieds que j'ai trouvé sur un tas. Ah, c'est un autre. C'est un truc vert?
Dégâts 23, précision 87, cadence 10. Ouais, prends-le, tu pourras le vendre. Je peux pas, je suis plein. Ah. Bon, attends, je vais la récupérer alors. Il nous faut la culasse, Jake. Je trouve pas la culasse. Bah là, j'ai ouvert un grand frigo au placard. Ah, c'est un coffre. Ah. T'as ouvert des toilettes aussi. Oui. Je me suis lavé les mains. Ouais, quand même. Il nous manque la culasse. Elle est où la culasse? Non. Ah, il y a un petit coffre. C'est censé être comment les items? C'est normalement c'est des items avec une genre de pas flèche verte, mais ils sont verts, ils sont couleur vert. J'espère que t'es pas daltonien. Ah, non. J'ai des toilettes ici. Qu'est-ce qu'attends ça là-bas? Bah il y a un coffre. Non, je vais faire tout le tour. Attends, on prend des dégâts de chute, c'est sérieux? Attends. Non, on prend pas de dégâts de chute. Pourquoi j'ai perdu le bouclier? Ah, c'est parce que j'ai dû marcher dans un feu. Je crois qu'il faut aller là-bas. Dans la petite maison sur le côté. La maison là. Ici, est-ce que... Il y a quelque chose... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Je me disais bien. Bah, du coup, on peut aller continuer la mission principale. Ou alors, Vers toi? Ouais, vers moi. Il faut récupérer de la clé de la mine. Comme ça, on est bon. Après, on peut récupérer la quête pour le sniper. Et ensuite... Hop, j'espère qu'on va pouvoir vendre nos armes. Hop, et comme ça... parce que moi, il me reste plus que deux places, donc... Donc, c'est parti. Alors, oui, tu peux vendre tes armes. Je te dis ça quand j'arrive. Ah, je te dis. Hop. Est-ce que ça suffit des munitions? Tu peux acheter des munitions également si t'as envie. Et si tu veux, tu peux même également acheter des augmenteurs de capacité. Ah non, je sais pas si c'est sous le mot. Pour augmenter la capacité de tes armes. Mais bon, j'ai pas assez de sous de mon côté. Du coup, tu peux vendre tes armes là-bas. Non, c'est pas ici. Si, si. Non, ça c'est pour les DLC, ça serait après. C'est où? Ouais, sur le côté là. Moi j'ai rien là. Là? T'as rien là? J'ai rien du tout. Derrière moi. Ah si, c'est bon. Enfin, je vois. Ok. Bon, je vois pas la borne, mais je vois par contre un bouton. Oh, bizarre ça. Ok, bizarre. Ça c'est DLC, messieurs dames. Ici c'est un peu un DLC d'Halloween. Ça c'est un DLC Loader Dome, c'est par vague, comme la quête qu'on a fait. T-Bone Junction, c'est DLC sur Dal et Tartarus Station. Ce sera sur Claptrap. Et du coup, prépare-toi parce qu'il y a du people. Je vise comme un cochon. Dans le mille. Ça
J'arrive. N'oublie pas de mettre tes points dans tes compétences. Ah. Oui. Et j'en mets. Écoute. Un. Bien écouté. Attends. Ah non. Qu'est-ce que c'est? C'est un claptrap. Grenade. Aïe. Je me suis tué tout seul. Si tu peux me sauver, s'il te plaît. J'arrive. T'es où? Donc, je te heal comme ça en attendant. Pratique quand même, hein, que je peux te heal. Ouais, ouais. Non, c'était pas utile. La mitraillette. Du coup, là, en fait, le j'ai entendu, c'est un claptrap qui pleurait. Et c'est un claptrap qui va nous donner une quête. On l'explose. Dans le mille. Oui, mais... En plein dans le mille. Espèce de foire. Ah, je sais que ça fait mal. Je peux te faire des dégâts critiques aussi. Alors... Je peux voir le sadique en train de scénarier tout seul là-haut. Donc en bas, il y a... Claptrap. Ah oui, regarde, Claptrap, il est derrière. Il faut faire tout le tour. Ah oui, il est bleu. Ouais. Hop, on a récupéré des soins. Hop, là, on a notre sauvegarde. Comme un caca! Oulala, oulala! J'ai envie d'entendre. Efficace, professionnel. J'essaie de lui mettre des critiques. Je vais crever encore. Voilà. Ah ouais, quand je me fâche. Plus beaucoup de vie. Du coup, on va devoir descendre, on va aller chercher la quête du claptrap encore. Ah merde. Ouais, je mets la tourelle Scorpio et le mec. Voilà. Ah, du coup, attends, j'ai deux heals. Ah, t'es là. Hop, et du coup, on peut aller récupérer le claptrap. Alors, ah oui, c'est un brutal. Qui est bugué. Ouais, bah c'est un brutal, hein. C'est des ennemis d'élite. Ah bah en plus, c'est un coffre. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, le claptrap? Claptrap dans la safe house. Ah oui, trouver l'équipe de réparation, il faut les réparer, c'est vrai. Et bah, si tu veux prendre le sniper, je te laisse le prendre. Je peux pas. Bah, il faudrait. T'as plus de place? Apparemment. Non, c'est... non si tu maintiens eux ou. Mais non, t'as combien d'espace là encore? Bah.
Au-dessus quand je vais, il y a la main qui me dit que c'est plein. Oui, parce qu'il faut être niveau 15 pour l'avoir, mais faut pas que tu maintiens E, faut que tu appuies juste sur E. Mais je peux pas. Si tu fais tab, au-dessus de tes sous, t'as combien d'équipements ? Au-dessus de mes sous. Si tu regardes, 12 sur 12. Ah bah ouais, bah viens, on va aller vendre tes armes. Du coup, viens, on fait demi-tour. On fait tout demi-tour et puis on va... Ah bah en plus, il faut le kit de réparation, il est derrière, donc... Il est où le kit de réparation ? Allez, je te laisse aller vendre tes armes. Attends, c'est où ? Là, tac, c'est... Non, à droite. Ah, ici. Oui. Par là. Et ici. Moi, je vais faire pareil, comme ça je vais pouvoir acheter de la vie. Ça je peux vendre, ça je peux vendre, ça je peux vendre. Ça je vais garder. Et ça par contre je vais le prendre parce que ça va nous aider. Du coup, t'en veux pas acheter de la vie. Hop, ça t'es full life. Et je pense que bah on va pouvoir faire ce boss et puis après on s'arrêtera là je pense. Vu l'heure. Du coup je t'attends au claptrap. Mm. Vu que en fait là oui c'est vrai que dans le 1 on va devoir à chaque fois qu'en fait on va voir un claptrap on va devoir récupérer un kit de réparation et qui est dans le niveau et lui donner pour le réparer. Alors, que je regarde moi mes expertises. Flingue, j'ai précision 9%. Ah oui, c'est vrai, après il y a des armes méridiennes. Et ben moi, dans un niveau, j'aurai mon troisième palier. Ah, mon prochain palier il est pas mal. Quoi ? La tourelle Scorpio a une chance, a une certaine probabilité de réanimer instantanément des alliés neutralisés. Et en gros, j'ai 14% de chance de réanimer. Ou d'accord. Sinon, c'est j'augmente ma résistance aux balles de 3%. Donc je vais prendre la réanimation, vu comment à chaque fois on tombe par terre. Ouais. Alors. Hop, du coup je vais rendre le kit à Claptrap. Et on va du coup avec ça on récupère une capacité de stockage qui fait passer notre inventaire de 12 à 15. Oh, ok. Donc, normalement si tu vas dans ton inventaire. Oui, tais-toi Claptrap. Tu cliques normalement sur kit d'optimisation de stockage. C'est où ? Dans ton inventaire, sur ton sac à dos. Kit opti. Tu cliques dessus. Ah, oh, trop bien. Et hop, ça, du coup, maintenant, notre inventaire, il y a notre sac à dos comporte 12 places. Enfin, 15 places au lieu ah, de... Ah, mais je viens de capter un truc, mais dans les slots de, qui sont de place, il faut compter armes, grenades et boucliers. Oui. Je pensais que j'avais 12 armes tout à l'heure, mais en fait, ah, on non, 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 il faut... Il faut t'as tout, c'est tous tes équipements. Oui, je débarque. Ouais, t'inquiète. Voilà. Donc toi tu viens de péter un tonneau corrosif, c'est parfait. Bien sûr les mecs ils ont dit... Oula oula oula. Ouais. La tourelle qui caille. On peut y aller. C'est dommage parce que dans Borderlands 2, justement, tu peux reprendre tes tourelles, ça augmente, ça baisse ton. Tu vois, le délai de ta compétence. Mmh. Là, tu peux pas en fait. T'es obligé d'attendre. Hop, qu'est-ce qu'on a là ? Des munitions. J'ai tout pris. Donc, on peut voir, il fait quand même beau hein, sur les murs. Hein. Si tu regardes, t'as du sang partout.
Et là, t'as un coffre avec des armes. Bien, on a des armes ici. Bah, il y a une arme. Non. Et bah, hop, ce sera pour être vendu. Ah, tiens, tu me bodyblock. Tu peux me bodyblock. Je savais pas ça. Je crois qu'on arrive au boss. Dernier étage. Ouais. Un coup d'anthologie. C'est quoi c'est... C'est quoi c'est ma voix là qui vient plus tard. Aïe. Ouais, on peut aller à l'étage. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Le passage. Hop, vas-y, j'arrive, tu peux continuer. Il y a des coffres à l'étage. Oh, oh. J'arrive. Munitions. Ah, oh, bon, c'est munitions. Munitions partout. Ouais, ça, ça, ça pue. Parce que ouais, quand ils te donnent autant de munitions, il manque plus que les logos checkpoint et c'est bon. On l'a pas eu le checkpoint? Ouais, on l'a eu avant, mais bon. Enfin, ouais, fais ta, tu feras ta mulation avant, tu verras. Hein. Vas-y, maintenant regarde la taille de la minimap. Ah. C'est un. Bon, hé, hey, oh. Cible touchée. Alors, bon. Je vais te heal. Voilà. Recharge tes armes, comme ça on est bon. Parce que oui, regarde. Tu peux pas remonter après. C'est flippant. Ah bah... Voilà. C'est quoi ça? Bah il est marqué dessus. Si t'as des grenades, balance tes grenades. Ouais. Putain. Pardon, désolé. Hallucino-Génova. Bon, apparemment il bouge pas, il est bugué. Ah, il balance des grenades. Attention. Oui, il est carrément bugué en fait. On triche un peu, mais bon. Voilà. Celui-là. Oh, oui. Par contre, moi, je suis bugué. Ah non, c'est bon. Voilà. C'est un regarde, un lance-roquette. Oh. Un lance-kikette. Oh. Ah, maintenant, tu vas pouvoir faire plein de dégâts. Je conseille de le prendre à la place de ouais, mettre, de le prendre quand même. C'est très utile. Par attends, contre, il y a encore deux ennemis, je ouais, les entends. Il y a un abo. Ouais, c'est bon. Et du portail de la mine. Alors, prends le lance-roquette, je pense, c'est le mieux. Ouais, attends, inventaire. Ouais, t'inquiète, je fais pareil. Moi, pendant ouais, constat là, je peux prendre ma trousse de soins et je peux me heal. Alors, le mieux, enfin, c'est de... Soit tu le mets en dernier, soit enfin, c'est de... dans ton inventaire, c'est toi qui vois. Attends. Et tu me dis quand je peux lancer, parce que je pense que là il y a le boss ça, qui va niveau, pop. Je suis niveau ouais, combien moi? T'es niveau 14, oui, donc t'as, normalement t'as ah, gagné un boss. C'est bizarre encore pour ce que j'ai là. Et là j'ai un truc niveau 4. Oui, les armes, ouais, les armes pourries entre guillemets, tu peux les virer. T'aurais de pas. Ouais. Et après. Faut les vendre. Bouclier 83, 150. Oui, en effet. On ne sait pas peut-être. Je change mon bouclier que j'avais déjà. J'avais des choses sur moi. Vas-y, et vas-y. J'avais un point, je crois. Ouais, j'ai un point. Je vais mettre là. Ah oui, ton bouclier, oui, t'as carrément gagné la moitié de ton bouclier là. Ouais. Et bah, du coup, j'appuie sur le bouton. Et du coup, oh on mon arrive. Dieu, je vois plus rien. Et du c'est quoi ça? Il y a des choses au milieu. C'est la. C'est la clé de la mine qu'il nous fallait. Tu devrais pouvoir ah, entrer dans la mine à présent. Et en fait, c'est le jeu House là, ça devait être le gros hallucino-jonovore là, je sais pas quoi. Regardez, c'est bête, on voit pas sa tête.
Bah du coup on peut y retourner. Mais c'était lui le boss ? Ouais c'était lui le boss. Hein ? Non, normalement quand c'est des gros boss... Passer par où ? Il faut monter le pont. Donc, tu sautes. Et passer par le pont. Là, ah là, ok, là. Pardon, j'avais pas vu. Là, non, là. Donc, tu sautes là. Hop, on passe par le pont. Et du coup, là, on peut y aller. Hop. Là. Hop, on peut passer par ici. Ah bah, du coup, on peut partir de la zone. On refait tout le chemin en sens inverse. C'est parti. Ah, ils ont respawn les ennemis. Non, on n'est pas allé ici. Si. Ah, si. Je deviens plus fort à chaque instant. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Hop, level 14, j'ai un niveau en plus. Dans le mille. Mais non, niveau 15. Quoi. Ah oui, niveau 15. Mais... Ah, mais j'ai une cadence de tir de 0. Quoi. Oh. Ouais, mais c'est parce que t'es un sniper, c'est normal. Ouais. Tu peux changer d'arme. Putain, essaie de les tuer avec le lance-roquette. Je m'y attendais pas. Bon, faut viser par contre. Ah bah oui, hein. Tu peux pas nous échapper. Tu vises les pieds. Comme ça. Ouais, voilà. Appuie. Magie. Hop. Et du coup, il faut qu'on aille. Bah non, attendez, on est passé. Non, c'est pas par là, c'est par là. Attends. La carte, il faut voir la carte. Je suis la carte. Ah bah non, c'était par là. Bah en fait, ouais, c'est par d'où on vient. C'est par ici. On descend cette pourriture. Allez, on se les fait. Mais... Tu vas y avoir droit. Moi aussi, hein, mon flingue, il a une cadence, c'est horrible. Donc c'est par ici, et c'est par là. Hop. Alors, je vends mes armes, moi. Et, on peut... Tu me dis quand on peut y aller. Je dis ça, je suis sur... Hop. Du coup, là, on a deux quêtes. Soit on va récupérer un sniper niveau 12. Difficile normal niveau... Ah bah, en fait... est-ce qu'on finirait pas toutes les quêtes? Ça, c'est toi qui vois. On peut finir les quêtes. On va aller tuer Mo et Marley, et puis après, on va arrêter. Vu que c'est dans la zone où on voit. Tu me dis qu'on s'en dit, ouais, on est bon. Je vais mettre ma tourelle, ça va me régénérer ma vie. Ok. Où es-tu ? Je suis là. Hop. Et du coup... Il nous a été rapporté que vous avez engagé une action belliqueuse contre certains autochtones après avoir été payé pour éliminer un de leurs chefs. Oui. Ce type d'activité de mercenaires menace la stabilité de cette région. Et du coup, vous avez été point. Averti. Toute forme d'agitation insurrectionnelle sera sévèrement punie. Cessez immédiatement toute action illégale et rendez-vous tant que c'est encore possible. Donc le commandant Steele qui est une... qui est le... Je crois que c'est une qui a découvert l'arche, tout comme ça. Ah, je sais que ça fait mal. Et du coup, on va pouvoir les tuer des skags. J'ai besoin de recharger. Il y a des gros bras. Par contre, j'aimerais bien des munitions de revolver, s'il vous plaît. Merci.
Cible touchée. Je vais me faire plaisir. Après, t'es pas obligé de faire que le sniper, hein. Tu peux prendre d'autres armes hein, si tu veux. Mmh. Donc, tu fais des dégâts. On explose. Ah, il est au-dessus. Hop. En plein dans le mille. Alors, 140. Ah, il y a des racks encore. Et du coup, on va les tuer deux. On va les tuer Mo et Marley. Et les racks avant ça. Alors les racks, l'astuce, on attend qu'il fonce dessus. Alors soit t'attends qu'il fonce dessus et tu les attaques corps à corps. Alors je ne te conseille pas le lance-roquette dessus, ah puisque bon le lance-roquette te fait des dégâts. Donc si tu dois attendre qu'il se colle à toi pour tirer, ça va être un peu compliqué. Dernière fois. Aïe! Attention, toi aussi. C'est vrai que j'ai oublié que je peux cancel l'animation du rechargement. Du coup, Mo, c'est Mo ou Marley qui est là? C'est lequel? Il spawn pas. Il y en a qui veut nous attaquer. Ah bah c'est Marley. Ah, Marley est un... Oula, bah c'est les deux en fait. Lance ton... Là on a besoin de ton... Voilà. Donc l'autre c'est électrique et l'autre c'est vache. Il prend rien. Ouais. Retraite, j'ai que retraite. Tire pas à tes pieds. Faut que je me barre, je vais mourir aussi. C'est chaud. Il faut. Là, moi, il me faut une mitraillette parce que je leur fais 0 dégâts. Même toi, avec le lance-roquette, tu fais 0 dégâts. C'est horrible. Et ben. Ah, il continue de nous attaquer. Ils ont régène. Il y en a un qui a régène. Il était bien. Oh oui. Ah canon. Oh, bah en fait il faut leur tirer dans la tête. Mince. Alors si t'arrives à me sauver. Mettez-le. Alors, il a fait se tomber du stuff là. Fourni. Ça c'est quoi? Ce sera pour toi. Je
fait, bah non, il faut pas que je le colle parce que. Oula, 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 oula. Attends, c'est lui en fait qui fait des. Non, il. Si t'arrives à le tuer, le Skag. J'essaye. Ah, il est mort. Ah. T'inquiète, c'est bon, je peux te heal. On va y arriver, Jack. Ah, c'est juste une égratignure. Il a bugué ? Ouais, en fait, c'est parce qu'il attaque les autres, en fait. Ceux-là où les. Ah. N'oublie pas Sanguine, si t'as Sanguine, balance Sanguine. Hein. Ouais. Moi, j'essaie de mettre la tour le scorpion dès que je peux. Viens, colle-toi à moi. Hop. Il y a une strat, hein, c'est sûrement une strat. Hein. Je pense que la strat, c'est les tonneaux inversés. Le feu, il faut l'envoyer sur les tonneaux électriques et lui, Marley, il faut l'envoyer sur les tonneaux de feu. Et les tonneaux de feu. Enfin, vu qu'il y avait des tonneaux éparpillés, je me plante peut-être. Hein. Alors, j'ai plus aucune munition ni pas. Attends, faut que je te donne un objet. Toi, t'es chasseur. Hein. Tiens, vas-y, prends l'équipement au sol. Qu'est-ce que c'est ? C'est un équipement, un artefact qui améliore ta compétence. Donc prends-le aussi. Je suis obligé de jeter un truc. Voilà. Marvelé, il est où ? Pourquoi c'est ici ? Pourquoi je peux pas le prendre ? Comment on fait pour jeter quelque chose ? Espace. Et la vache ! D'accord. Et l'artefact, je le fais quoi ? Tu maintiens E et tu l'équipes et même sauver ce qu'il y a. De faire les autres. En gros, ça augmente. Dernière fois. Oh merde, t'as un métal. Qu'est-ce qui vous parle chez vous ? De vous ! Sortir plus de munitions ! Ah ouais, je me fâche. Mais 150 là ! Barrez-vous ! La KNP. T'inquiète. Hop, tourelle Scorpio, t'inquiète. Non, à part le gros rocket, j'ai peut-être 6 roquettes. Mais... Voilà, voilà. Attends, tu t'as pas marlé, t'en fais pas. Est-ce que. Ça, c'est mitraillette. Je vais prendre la mitraillette parce que. En fait, il faut viser ses coups critiques, mais faut peut-être viser les boules qui balancent. Voilà, j'ai de nouveau. Comment tu fais ? Ah mais d'accord. Je l'avais pas vu. Yeah. T'inquiète. Là, je me dis, mais comment il t'a pris autant cher ? Et bah ça va. Pour une fois que je vais pouvoir débloquer les succès réanimés à coéquipier. Ah
On va en avoir, je crois, des succès réanimés, coéquipiers. Allez, bientôt, bientôt. Voilà. Maintenant, faut qu'on tue les nazes, là. Ouais, ouais, je vais te massacrer aussi. Imagine ça tout seul. C'est injouable. Ouais, il y a une strat, hein, mais... Bah après, les monstres sont plus forts quand on est à deux. T'as récupéré... Ah non, t'as pas récupéré. Ça m'intéresse. C'est quoi ça? Ouais. Pas ouf la mitraillette. Hein. Ouais, mais non, il fait plus de dégâts, mais. Il y a une cadence pourrie en fait. Cadence de tir 8, cadence 9. Ouais, j'ai gardé celle-là. Bah, au moins, c'est bon, on a tué Marley et Lot. On va pouvoir y aller. On a fait les deux quêtes de l'endroit, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on peut y aller. Mais c'est bon là! Gueule, ça recharge hyper vite, mais il faut taper du coup. Prendre ça comme arme, même si ça fait pas beaucoup de dégâts, il y a une meilleure cadence. Bon, on va pouvoir aller rendre la quête. T'es pas obligé d'exploser les tonneaux hein. Si jamais ça nous fait des dégâts hein, quand on les explose. Et hop, je balance la tourelle et on va pouvoir vendre des objets. Tac. Est-ce que je peux pas acheter un nouveau bouclier? Oh! Bouclier à 203, rechargement rapide. Et un nouveau munition. Est-ce que je peux acheter des grenades? Non. Par contre, le shotgun. Et bien, quand c'est bon, on peut... comme ça on rend les quêtes et puis on y va. On s'arrêtera là. Et on passe. Enfin, moi je vais passer level 16, je pense. Normalement, avec ces quêtes, ça devrait être bon. Okay. Parce que là, après, ce sera le cercle de la mort. Et après, ce sera les cristaux électriques. Et en plus, dedans, dans la quête, il y a la quête principale. Qui donne pas mal d'XP. Il y a un ennemi dans le coin. C'est un ennemi, ça, là-bas ? Yeah. Ah non. C'est une torche. Oui, c'est vrai que j'ai une moustache. Shotgun, cadence de tir, ouais. Les pistolets, si tu dégâts. Ah, wesh. C'est bon? Oui. C'est parti. Et on va pouvoir aller rendre toutes les quêtes. Enfin, il y en aura deux qu'on n'a pas faites. Mais... Ah. Alors, oula, j'ai eu peur parce que j'ai entendu le bruit de l'autolock, mais j'ai eu un écran noir. Hey, on y va! Mitrailleuse, faire apparaître le véhicule. Je te laisse monter et on va y rendre les quêtes. Et après, on va s'arrêter là. Bon, ça va, on a pas mal avancé quand même. Hein. Enfin, on a fait deux quêtes principales. Et après, reste. On a quand même gagné 5 levels. Hein.
pour les ennemis qui nous embêtent, on va pas se quitter. Alors, Mo et Marley, ah bah, j'ai récupéré un artefact, moi, c'est parfait. Déjà. Améliore, bah en fait j'ai récupéré le même artefact que toi, mais pour ma classe en fait. Donc c'est pas mal. Et le sniper... Ouais, pas ouf hein, le sniper. Dégâts, alors mon artefact... mais il a mis où Ah oui, l'artefact... Oui, l'artefact tu l'as... tu peux le voir dans ta barre de compétences. Dans ma barre de compétences. Si, bah dans tes compétences. Si tu vas dans... alors, attends. Là-bas, il nous embête. Voilà. Si tu vas dans ton... Où tu mets tes où tu t'améliores tes compétences, tu peux voir ton artefact. Et les niveaux de l'artefact et les bonus qui t'offrent, en fait. L'artefact, je... Ah. Attends. D'accord. Ah, clé de la mine, c'est... Ah, clé de la mine, c'est pas là, c'est par là. Ok. Attends, comment je... En fait, tu vas sur tes compétences, et quand tu maintiens ta souris dessus, enfin, tu mets ta souris dessus, tu vois, comme là, moi, le mien, c'est... tac, bah là, ça... Mais ma tourelle Scorpio provoque des dégâts incendiaires. Bah là, j'ai le choix entre... améliorer la compétence de Sanguine en ajoutant des dégâts incendiaires ou en ajoutant des dégâts électriques. Ah oui, bah c'est comme tu le sens. Bah c'est de... quoi le mieux pour nous? Bah, autant garder les deux parce que l'électrique c'est pratique contre la chair, donc les skags, les mecs qui n'ont pas de bouclier. Enfin ça c'est pour le feu. Et l'électrique c'est quand ils ont des boucliers, bah... Genre tu vas envoyer Sanguine, ils vont casser le bouclier tout de suite en fait. Donc autant garder les deux. De toute façon, si je dois équiper un des deux artefacts parce que je sais. Bah pour le moment je dirais prends le feu. Prends celui de feu. Ça fait Le mieux c'est de prendre celui de feu, vu que pour le moment on n'a pas trop de mecs avec des boucliers. Et du coup on va aller dans la mine. Bref, on va aller rendre la quête pour aller dans la mine. T'as changé la couleur? Ouais, j'ai mis bleu. J'avais pas fait gaffe. Avant c'était orange. Bleu comme ça. Au moins on la repère. Hop. C'est parti avec le boost. Alors si jamais le boost. T'inquiète pas. Je suis un professionnel. j'imagine ceux que quand ils doivent passer le permis ici. Bordant Lands. Alors, écraser au moins 3 personnes, comme dans GTA. Tout ce que tu as eu à affronter jusque-là était relativement simple. Sledge représente un véritable défi. Ne le sous-estime pas. Alors, hop, et du coup, bataille pour les Badlands. Alors, les difficultés rudes, donc ce sera pas pour maintenant. Oui, voilà. Et en fait, on va ouvrir la porte. Et on va pas aller dans la mine. Saviez-vous que Shep Sanders a une nouvelle mission pour vous? Voilà, et du coup, là, en fait, on va débloquer, entre guillemets, un prochain chapitre. Donc, normalement, si tu fais tab, ouais. On peut voir, en fait, les missions à faire. Comme là, on voit qu'il y en a une qui s'appelle Le Ventilo, et l'autre, c'est trouver une prime... qui s'appelle récupération de combat rifle, donc une mitraillette. En fait, faire la même chose qu'on a fait avec le sniper, mais ce sera pour une mitraillette, enfin un fusil d'assaut plutôt. Mais ça, ce sera pour le prochain stream. Tac, du coup, messieurs, dames, on va s'arrêter là. Je te laisse reprendre tes munitions. Et puis je te laisse te découvrir.
De toute façon, normalement, on va... quand je vais respawn, on va respawn dans... dans le village. Dans le village, ouais. Mais là, c'est save. Ouais, ça, là, c'est sauvegarde. Et si on meurt, si on meurt là, tiens, viens faire un duel. Non, non, on fait pas le test. Fais un duel, vas-y. Tape le corps à corps. Non mais regardez-le, messieurs, dames. Vas-y, il faut me taper au corps à corps, hein, pour lancer le duel. Ouais. Tape-moi au corps à corps, Jake. Ah, corps, pardon. Il y a marqué, le duel n'est plus valable. Vas-y. Bah, attends. Attends. Vous avez déjà provoqué Jake et Vincent dans le duel. Et là, c'est bon ou pas? Bah, je sais pas. Moi, ça spam n'est pas valable. Il est plus valable? Comment ça? Ouais. Attends. Ah, mais c'est peut-être parce que t'as pas assez de temps. Viens. T'as merde de bouger. Je suis fair play, messieurs, dames. C'est Sanguine que tu regardes? Elle aussi, voilà, c'est parti. À un autre adversaire. Regardez-moi comment il triche. Ouais, mais c'est parce que t'as pas assez de... C'est parce que tu faudrait prendre une autre arme. Parce que tu m'as quand même mis beaucoup de vie en moins, mais tu m'as pas one shot. Par contre, Sanguine, elle met du temps à attaquer. Hein. Ouais. Vas-y. Ah, vous avez déjà provoqué, donc non, il veut pas. On peut pas spam les duels. Bon, tant pis. Oh, voilà. Comme quoi, le flingue normal contre le fusil lance-roquette fait quand même des dégâts. Bah du coup, hop. Alors je te laisse quitter, comme ça au moins ça sauvegarde vraiment toi. Moi je suis sûr que tu vas pas perdre ton personnage. Ouais, donc je quitte comme ça là. Ouais, tu fais quitter. Ouais. Okay, bon. Sauvegarde du contenu en cours. Ouais, comme ça au moins on est... Voilà, abandonnez votre cause, les créatures deviennent plus faibles, et Jake a quitté la partie. Je fais quitter également, et voilà, je fais touk, on change d'écran. Et voilà, bah du coup on a quand même pas mal avancé. Hein. Alors je sais plus combien il y a de chapitres dans Borderlands. Je sais plus du tout. Il y en a quand même pas mal. Combien de chapitres? Oui, mais si je mets pas le nom du jeu, ça va pas marcher. Ah bah, de toute façon, ils le mettent pas. Ils parlent que de Borderlands 2 et Borderlands 3. Comme quoi. Enfin, bref. Et bien, sur ce, monsieur et dame, c'était Draken et Jake. On se retrouve pour ma part, enfin, pour notre part, vendredi. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et par contre, on te retrouvera demain à 9h pour du Pokémon Arceus. Enfin, Légende Arceus. Et normalement, c'est la fin. Ah, il te reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai déjà atteint la fin du jeu avec générique et tout, mais là, c'est le contenu endgame encore. Ah, oui. Normalement, c'est le dernier stream du contenu endgame. Normalement. Tu veux pas chercher les shiny? Non, ça ira. Non. Oh. Fait un stream shiny. Bon, après, je dis ça, mais derrière, c'est moi qui dois faire le rendu des vidéos. Déjà que là, sur un stream, c'est 4 heures. Et oui, si vous voulez rigoler, j'ai mis à jour le pilote Nvidia tout à l'heure. Manque de bol, j'étais en train de faire un rendu. Oh, punaise. Et le rendu, il a fait magie des Disney. À puce. Le vaisseau Sony Vegas a disparu. Il me restait une heure de rendu à faire. Dommage, ça. Ouais, bon, tant pis, hein, je me suis dit, allez, on va tenter, hein, pendant que je mange. Je suis revenu, j'ai fait, ah bah, y'a plus. Ah, mince. Bon, bah, c'est pas grave, on refera demain. Mais bon. Et bon, bah, sur ce, bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, cordialement bisous. Cordialement bisous, à demain. Ciao.